La pression monte sur Kevin Magnussen. Steiner lui met la pression. Agréablement surpris par la perf de Hülkenberg, Steiner met désormais la pression sur son autre pilote. Évidemment, Magnussen. Je suis un peu surpris, admettait-il auprès de Sky Sports. C'est ce que nous voulions espérer, mais il s'est vite mis à niveau et ça met en lumière l'expérience d'un pilote de F1. Même si en passant quelques années sur la touche, il a répondu présent. Il sait ce qu'il a à faire et il a aussi la motivation. Ça prouve qu'on a fait le bon choix. La pression monte sur Kevin et je pense qu'il va la gérer. Il sait qu'il doit la gérer. Il sait quel est l'enjeu. Il doit être très proche de Nico. Ils ont la même voiture. Ils ont tout pareil. Il veut faire aussi bien. Nico a fait du bon travail lors des trois premières courses, mais nous savons que Kevin est capable de piloter une F1 très vite. Il faut juste qu'il se retrousse les manches et qu'il le fasse. Ouais, ok. Ouais, alors, qui est à la place de Magnussen si vraiment il devait le remplacer? Bon, il y a Ricardo qui toque à la porte. Mais est-ce que Ricardo voudrait aller chez As? Ça, c'est encore une autre question. Pas sûr, hein. Bon, eh bien, affaire à suivre, hein, on verra comment ça évolue chez As dans les prochaines courses.